Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Nicolas. J'ai adopté Yuma quand elle avait 5 mois et une chienne incroyable dont l'objectif c'était vraiment d'avoir un chien passe-partout, prêt à tout faire, d'action. Et dans cet objectif, j'ai fait beaucoup de cours canins en club. Et au bout d'un an et demi, je me suis retrouvé à avoir un gros problème qui s'est créé, c'est qu'elle devenait très réactive sur tous ses congénères, à distance. Du coup, je me suis retrouvé à être à ne plus pouvoir me rendre dans des lieux publics, tout simplement, que ce soit en randonnée, en ville, au bord du lac, à me brider dans nos promenades, à sélectionner les horaires de balade, ainsi que les lieux. Je ne la lâchais plus, ou à des heures de nuit, ou dans des endroits complètement isolés. Donc ça devenait vraiment très compliqué. Il n'y avait plus de plaisir. Il y avait vraiment un sentiment d'anxiété et de stress qui s'installait au quotidien. Et donc, grâce à Eduzen, ça a beaucoup changé. J'ai rencontré Eduzen lors de cours en salle, en premier lieu. Et c'est lors de ces cours en salle que Laetitia m'a apporté la solution en me disant « Mais participe au programme des balades collectives, tu vas voir, ça va changer ta vie. » Et en 6 mois de temps, je me suis retrouvé à voir Yuma qui réagissait à 100 mètres à des croisements qui étaient possibles en laisse, en plein centre-ville, dans Lausanne. Encore aujourd'hui, par exemple, l'exemple le plus concret en date, aller manger au restaurant, tout simplement, se poser en terrasse, c'est devenu possible, c'est réalisable. Croiser des gens, croiser des chiens, croiser des enfants, tout ça, c'est devenu possible grâce à Eduzen et j'aurais jamais réussi sans eux, ça c'est clair. Tout seul, j'aurais pas eu l'accompagnement nécessaire pour me rendre compte, ni les outils en main pour accéder à cet objectif et ça a vraiment changé ma vie. Donc, pour moi, Eduzen, ça a été un gros changement au quotidien et je le recommande vraiment pour tous ceux qui peuvent rencontrer un petit problème. C'est pas un souci qui doit bloquer la vie de son compagnon ou la nôtre avec. Et au final, c'est pas qu'un cours, c'est juste rendre la vie meilleure avec son animal.